All right. Salut tout le monde. Mon nom c'est Magic K1 et aujourd'hui je vais faire une petite run de Marble Madness sur la NES. Pour commencer, je vais juste nommer ma partie. On va l'appeler No Reset comme ça. Donc. Je vais juste. Alright. La run va commencer au moment que je vais appuyer sur le bouton. Donc, je vais partir dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Le premier niveau, c'est Practice. C'est juste un genre de niveau tutoriel pour savoir comment contrôler notre bille. Il n'y a pas grand-chose à ce niveau-là, donc c'est vraiment comme un niveau tutoriel. L'aspirant, il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment de la maîtrise de notre bille. Donc, il y a peut-être un essai qu'on va faire dans un niveau. Mais sinon, c'est assez basic comme jeu. Il y a aussi des chances qu'il y a des... ça commence bien. Il y a des chances qu'il y ait des Magic Wands qui peuvent apparaître. Eh ben, ça fait longtemps que j'ai pas runné le jeu. Fait que juste me mettre sur le bord ici de même, voilà. Fait que ça, c'était le premier niveau, le premier vrai niveau. Ensuite, on va tomber sur le niveau, le Intermediate Race. Fait qu'encore là, beaucoup d'obstacles à éviter. Donc. Hop. Oh, là, j'apparais l'autre bord. J'avoue que je suis pas habitué. Ça va pas bien. Ok. Fait que si on descend ici. Ici, il y a des tapis. On va essayer de faire attention. Ok, on s'en sort. C'est pas si pire. Merci. Fait que le prochain niveau, c'est Ariel. Il y a des armor dans ce niveau-là. Faut faire attention. Mais avant, faut éviter les espèces de souffleuses. Et voilà, de même. On va espérer de pas pogner un softlock sur le catapulte. Ok, ça c'est bon. Fait que les armor. Hop, ouais, les pistons. Ok, ça va passer ici. Hop. On va faire un jump ici. Et là, on arrive au marteau. On va essayer de passer. Allez. Ah, 40. Ok, on est allé tranquillement. C'est correct. Bon. Merci. Fait que là, on arrive au stage silly. Ça, c'est la physique qui est inversée. Donc. Vous pensez que je suis en train de monter, mais en fait, je suis en train de descendre. Fait que c'est encore des obstacles. Là, on va arriver au corbeau. Ici, des méchants oiseaux. Et on va essayer de faire un skip, voir si je réussis. Non, ok, c'est pas grave. Ça sauve 2-3 secondes. Et voilà, c'est. Et là, on arrive au dernier niveau qui est le Ultimate. Ça va me demander beaucoup de concentration parce que c'est un niveau qu'on peut se planter assez facilement. Donc. Fait qu'on passe la section là. La petite section de glace. On va y aller tranquillement. Et voilà. Là, on arrive au serpent ici. Hop. C'est correct. On va attendre que. Ok, on va y aller. Passer tranquillement de même. Voilà. Et on arrive à être. Time! Fait que c'était pas si pire. Ça faisait quand même 2 ans que j'avais pas runné le jeu. Donc. Fait que j'espère que vous avez apprécié la run. C'est un speedrun quand même assez facile que je recommande d'essayer si vous cherchez un speedrun ou quelque chose.
Fait que c'est ça qui est ça pour Marvel Madness. J'espère que vous avez apprécié la run, puis on passe au prochain jeu. Merci beaucoup. Yes, merci Magic K1 avec Marble Madness. C'est ce qui s'en vient. C'est le Randomizer de Lufia 2. Il vous reste quelques instants si vous voulez choisir le personnage qui va avec quel. On va commencer